Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes, les amis de d'Akis. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hortense Richter. Je fabrique des produits naturels à base des plantes. Donc, c'est des produits qui sont fabriqués en Suisse et vendus en Suisse pour l'instant. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la beauté des mains et des ongles. Parce que en même temps, je sensibilise. Voilà, j'aime bien sensibiliser, j'aime ça. Donc, je viens pour vous sensibiliser aujourd'hui, mesdames, en vous parlant de la beauté des mains et des ongles, et aussi les dangers des faux ongles. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à un message d'une dame qui me suit. Elle a demandé où on peut trouver l'huile de curcuma, où on peut l'acheter, les bienfaits, qui peut utiliser, et voilà. Donc voilà, je veux répondre que effectivement oui, je fabrique l'huile de curcuma. L'huile de curcuma est un anti-tache. L'huile de curcuma est un correcteur. Donc anti-tache, tache de vieillesse, tache brune, toutes sortes de taches, hein, pour peau blanche comme pour peau noire, même pour les hommes. Hein. Voilà, c'est très efficace. C'est en même temps une huile antioxydante, donc elle régénère la peau et on peut l'utiliser comme crème de nuit, comme une huile pour hydrater le visage la nuit. Voilà, donc en fait, moi, cette huile-là, je l'utilise comme démaquillante et je conseille aux gens de l'utiliser comme démaquillant parce que c'est une huile qui tache. Voilà, on ne peut pas la mettre et puis aller dormir. Il y a le mari qui fuit après parce que ça salit tout le lit après, il est tout sale, il est taché et tout. Donc, je le conseille comme démaquillant. Vous vous démaquillez la peau avec cette huile, vous rincez et vous pouvez vous coucher. Voilà, cette huile, je ne la vends pas seule. Parce que moi, en fait, je suis une personne qui opte pour l'intérieur. C'est pour ça que j'ai un kit. Si vous voulez acheter l'huile de curcuma avec moi, ça sera un kit. Donc, il y a le kit. Dans ce kit, vous avez un savon à base de plantes qui nettoie le visage. Vous avez l'huile de curcuma et puis vous avez un thé détoxifiant à base de deux plantes. Voilà, donc ce thé va vous détoxifier, que j'appelle la douche interne. Voilà, donc ça c'est ce thé. J'appelle ça la douche interne. Ça c'est le savon pour laver le visage. Après, quand vous êtes démaquillé, pardon, le visage avec l'huile de curcuma, vous lavez avec le savon à base des plantes. Et tous les matins, vous buvez votre détox pour nettoyer le foie, les poumons, les organes, pour se détoxifier, pour éliminer les toxines. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une belle peau. Bref, donc voilà, en fait, si vous voulez plus de renseignements, prenez contact avec moi en inbox. Pour ne pas faire une longue vidéo, je reviens à mon sujet. Voilà, aujourd'hui, je vous parle de la beauté des mains et des ongles. Alors, les mains bien entretenues se remarquent autant qu'une coiffure soignée. Comme nous servons souvent de nos mains, elles s'abîment très vite et nos ongles deviennent ternes. D'où l'usage des faux ongles, du vernis, souvent pour camoufler les ongles ternes, malades, ou habiller les ongles pour faire joli et propre. Mais est-ce que cette pratique est sans danger? Je dirais non. Cette pratique n'est pas sans danger. Déjà le vernis. Le vernis contient des conservateurs. J'ai dû noter des composants pour ne pas que j'oublie. Dans le vernis, vous avez le formaldéhyde. Hein? Vous avez le formaldéhyde. C'est un perturbateur endocrinien cancérigène. Vous avez le toluène. C'est un solvant très irritant pour les voies respiratoires, mais aussi pour les yeux. Vous savez, mesdames, quand on met le vernis, on a tendance à passer les mains sur les yeux, nettoyer les yeux, on a tendance, mais on irrite les yeux. Souvent, les gens ont des maux d'yeux, ils ne savent pas pourquoi. Mais ça peut aussi venir du vernis qui contient trop de produits chimiques. Après, il y a le xylène qui est nocif par inhalation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont mal aux poumons, hein,
qui se plaignent toujours qu'ils respirent pas bien, ils ont des problèmes d'asthme, les problèmes de respiration et tout. Ça peut venir aussi du silène qui est nocif. Et puis, il y a le dibutylfalate. C'est aussi un perturbateur endocrinien. Ça, c'est pour le vernis. Maintenant, sans parler des faux ongles, pardon, sans parler des faux ongles. Alors, les faux ongles, alors là, c'est le danger ambulant. Imaginons, vous mettez un ongle, donc l'ongle artificiel sur votre ongle. Vous le collez avec une colle. Et avec le temps, vous allez travailler avec ces mains-là. Vous allez les mettre dans l'eau, vous allez partir à la piscine, vous allez nager et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, au milieu, va se poser de l'eau. Et l'eau, en contact de ces deux ongles, va donner l'avantage aux mycoses de se poser, parce que les mycoses, ils aiment bien l'humidité. Donc, ils vont se poser au milieu, ils vont se proliférer. D'où vient que souvent les ongles sont jaunes ou noirs? Eh bien, c'est les mycoses qui sont déposées. Maintenant, pire, c'est que nous, les femmes, quand on va faire notre toilette vaginale, on a envie de mettre le doigt pour nettoyer, pour se sentir propre. C'est normal, hein? C'est normal. Donc, on prend le vernis qui contient tous ces conservateurs que je viens de citer, qui sont pas sans risque, plus le faux ongle qui transporte les mucoses. On va le mettre dans le vagin, on va nettoyer le vagin, on va déposer les mucoses dans le vagin. Et comme le vagin est un lieu humide, donc les mucoses vont se proliférer, ils vont se multiplier. D'où viennent les mucoses vaginales, démangeaisons, pètes blanches. Même ça, oui, c'est déjà grave. Mais c'est que l'ongle, quand il est long, quand vous nettoyez le vagin, vous pouvez même infecter encore le vagin, vous pouvez le blesser. Donc, quand vous blessez le vagin, ben, votre vagin, il est infecté. Donc, vous êtes infecté. Après, vous allez infecter votre partenaire parce qu'il va faire l'amour avec vous. Bon, il y a des mucoses qui ont été déposées. Et après, vous regardez, vous ne savez pas pourquoi vous avez des infections, vous ne savez pas pourquoi. Vous voyez, souvent, très souvent, ça vient du vernis et des faux ongles. Vous savez, il y a des petites doses de poison qu'on met nous-mêmes sur nous, volontairement, sans le savoir. Des petites doses. Alors, mesdames, est-ce que je suis en train de vous dire de ne pas mettre les faux ongles? Est-ce que je suis en train de vous dire de ne pas mettre du vernis? Non. Je suis une sensibilisatrice. J'aime sensibiliser les gens. J'aimerais vous dire qu'il y a des alternatives. Quand vous achetez un vernis, faites attention. Achetez un vernis qui est bio. Et encore, mais c'est encore mieux bio que pas du tout. Et quand je pense à ces vernis qui sont vendus sur les marchés en Afrique, sur le chaud soleil, ces vernis qui sont vendus en Afrique, là, je vous assure, laissez tomber. Laissez tomber ces vernis-là. Sur le chaud soleil en Afrique, vous ne vous faites pas du bien. Vous êtes souvent étonné que vous avez des petites maladies, mais je vous assure qu'il y a des petites maladies que nous achetons nous-mêmes. Sans le savoir, on se rend malade. Alors, optez pour les vernis bio. Les ongles, quand vous les avez, c'est joli, hein? Franchement, c'est joli. Moi, je ne les mets plus parce que, voilà, je dois travailler, je dois faire des préparations pour les gens. Donc, mes clients, quand ils viennent, franchement, ils regardent mes ongles, hein. Donc, ils voient que, voilà, c'est des ongles naturels, ça donne confiance. Vous voyez, sinon, donc, voilà, sinon, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais quand vous les avez, évitez de faire votre toilette intime. Évitez, parce qu'ils sont porteurs de mycoses. Ça, il n'y a rien à dire. C'est clair et net. Donc, évitez de faire la toilette vaginale. Vous savez, un vagin qui est en bonne santé, normalement, on n'a rien à faire là-dedans. Il se nettoie seul quand il est en bonne santé. Mais à partir du moment où vous commencez à tripatouiller votre vagin, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, laissez votre vagin tranquille. Quand vous avez les faux ongles, ça ne sert à rien d'aller nettoyer et tout. Laissez-le travailler seul. Et je vous dis que si vous commencez à avoir des problèmes vaginaux, il faut aller voir un gynécologue pour vous conseiller au mieux. Mais comme les médicaments aussi ne sont pas sans risque, parce qu'il y a aussi les effets secondaires que vous devez gérer, donc c'est mieux qu'on laisse le vagin tranquille là où il est et qu'on essaye de le protéger et qu'il reste au chaud. Voilà, mesdames. J'espère que cette vidéo va vous être utile. Partagez-la. Abonnez-vous à ma page et je vais mettre en lien mes numéros WhatsApp. Donc, si vous voulez acheter le kit
pour nettoyer votre visage, pour avoir un visage net, une belle peau sans tache. Parce que moi, c'est ce que j'appelle une belle peau. Une belle peau, c'est une peau sans tache, sans bouton, nettoyée. Voilà. Qu'elle soit noire, qu'elle soit claire, qu'elle soit... L'avantage avec aussi le curcuma, c'est qu'il ne va pas vous éclaircir, il ne va pas changer votre peau. Voilà. Si vous êtes clair, vous mettez, vous gardez votre teint. Voilà. Ça ne change pas. Ça ne éclaircit pas, ça ne noircit pas. Ça reste comme c'est. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Partagez ma vidéo. Partagez-la. Et puis, on est ensemble, comme on dit chez nous. Bisous. Love.